sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors, est-ce que Jésus et un démon peuvent cohabiter dans le même corps? D'accord. Par exemple, si quelqu'un qui a vécu, enfin qui vit dans l'église, tout ça, mm-hmm. qui est là depuis toujours, mm-hmm. et qu'au final, ben, il est possédé. D'accord. Quelqu'un qui vit dans l'église. Ouais. Qui, okay. Ouais, qui a grandi dedans, tout ça. Donc, tu veux dire dans une assemblée dénominationnelle, tout ouais. ça là. Très bonne question. Et la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que Dieu habite dans un corps humain dans toute sa gloire? Non. Non. Et quand la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas croire dans ton corps, là, l'Esprit de Dieu habite dans sa globalité en toi. C'est impossible. Seul Jésus-Christ, homme, a reçu l'Esprit sans mesure. Et on va prendre un passage dans Éphésiens chapitre 4. Déjà pour bien comprendre ce que c'est le fait d'être rempli de l'Esprit, ça veut dire quoi exactement Dieu qui habite en nous, Éphésiens 4, et on va lire à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est ça en fait. Nous avons reçu des mesures, des talents, et on a reçu des parts, hein, ce qu'on appelle aussi les arts de l'Esprit. Maintenant, c'est en Christ seul qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Ephésiens, comme Colossiens 2:9. Maintenant, nous, on a reçu effectivement des mesures, on a reçu des dons avec mesure. Et ensuite, bien sûr, avec ces mesures-là, ben, on est complètement rempli, hein, attention. Hein, voilà. Est-ce que Dieu peut cohabiter dans un corps avec un démon, bibliquement parlant? Non. Non. Et le Seigneur, dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte et entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je stopperai avec lui et lui avec moi. Donc là, on voit quand même qu'au départ, dans Apocalypse 1:12, il était au milieu de l'église. Et ensuite, il se retrouve hors de l'église à cause du péché, à cause des fausses doctrines. Donc, lorsqu'une personne qui se dit chrétienne est possédée, ben, c'est sûr que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Mais toutefois, la plupart des gens qui se disent chrétiens dans nos assemblées ne le sont pas. C'est ça le problème. Donc, beaucoup ont fait une adhésion intellectuelle. Et ils ont fait une adhésion intellectuelle. Donc, il n'y a pas eu une véritable conversion. Et c'est pour ça que ces personnes-là peuvent aussi être souvent, même se sont souvent possédées. Il y a aussi le cas des personnes, véritablement converties qui ont ouvert des portes à l'ennemi et les démons sont revenus, comme la parole le dit. Et là, quand c'est comme ça, ben, l'esprit est d'abord attristé et ensuite éteint. Voilà. Donc l'esprit peut être éteint en nous. Donc c'est-à-dire la grâce du Seigneur. Voilà. Mais cohabitation, comme des locataires, de colocataires, non. Non, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Là, on parle de la possession. Hein. Oui. On parle pas de l'influence démoniaque qui vient de l'extérieur. Oui. On parle de la possession. Voilà. Posséder, c'est être au contrôle. Posséder, c'est contrôler quelqu'un totalement. Voilà.